amie de toujours, c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans les jeux vidéo et qui, un jour, dans un aéroport, va croiser celui qui semble être son ami imaginaire, son ami inventé d'enfance, ce qui n'est pas possible. Et pourtant, il va se passer des choses. Voilà, donc c'est le retour à l'enfance, à l'âge adulte, avec toutes les difficultés, les bizarreries que ça pose. Mon héros de fiction préférée, c'est Sherlock Holmes. Et ça restera toujours Sherlock Holmes, le brouillard. Alors, mon auteur préféré, c'est Cervantes, je crois. C'est l'inventeur du premier roman. Magnifique. J'aurais aimé écrire Le Magicien d'Oz. C'est un grand roman. Mon film préféré, c'est 2000 ans d'ici l'espace. Je l'ai vu petit et ça m'a changé. Dormir, mon loisir favori. Le voyage avec mon épouse et ma fille, n'importe où, ou le voyage tout seul dans un livre. Ma principale qualité, je crois que c'est la sincérité. Et mon principal défaut, je crois que c'est la sincérité aussi. Ma fille, ce qui pourrait arriver, c'est de... Mais sinon, rien. J'ai peu peur, sauf quand je pense à elle. J'aimerais être une montre fossilisée. J'aimerais que quelqu'un trouve un objet impossible. Une montre qui est 4 millions d'années. Ça permettrait de faire rêver et de questionner les gens.